Bon, chers amis, bonjour. Vous entendez derrière moi un public formidable. Ils sont plus d'un millier à être venus assister au dernier entraînement qui précède le match contre le football club de Metz ce dimanche à La Mosson. Et évidemment, voilà des encouragements par les temps qui courent qu'on ne saurait véritablement ignorer et dont on aurait du mal à se passer. L'engouement existe toujours. Et puis, bien sûr, dans le contexte que vous connaissez toutes et tous, il va falloir maintenant, parce que je les entends tous me dire « Ah, ben si on n'y arrive pas cette fois, si on n'y arrive pas cette fois. » Ah ben oui, c'est une réalité qui s'impose à nous. Effectivement, en recevant la lanterne rouge, il faut absolument cette fois renouer avec la victoire. Alors, les Messins, eux, jouent leur peau régulièrement, 20 fois relégables, 10 fois barragistes depuis le début de la saison. Ils jouent leur peau ce week-end à La Mosson, évidemment, sachant que devant eux, à 3 points, il y a Bordeaux, et puis il y a Saint-Étienne, qui jouera à l'extérieur à Rennes. Les Bordelais reçoivent Nice, donc vraiment pour les Messins, c'est un match qui va énormément compter. Mais pour nous également, qui nous sommes fait dépasser par les Brestois et qui avons maintenant les Rémois dans la roue, ils sont à 2 points de nous et se déplacent à Lorient. Voilà, les enjeux sont clairs dans cette partie. Tout le monde pense que nous parviendrons au moins à remporter un succès qui nous fait défaut depuis pas mal de temps à La Mosson contre la Lanterne Rouge. Montpellier-Metz, c'est dimanche à 15h à La Mosson. On vivra ça en live comme le public d'aujourd'hui vit l'entraînement en live. À dimanche.